Salut à tous et à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de d'achat-revente. Je vais vous présenter ma technique préférée d'achat-revente et c'est aussi pour moi la meilleure technique pour les petits budgets. Donc, je vais vous expliquer à quoi consiste cette technique si vous regardez mes séries d'achat-revente. Vous la connaissez déjà, mais bon, je comprends si vous regardez pas ces séries. Donc, n'hésitez pas à regarder cette vidéo parce que vous êtes en train de le faire, c'est un peu normal. Enfin bref, je dis n'importe quoi. Je vais vous expliquer enfin bref c'est quoi cette technique. La technique consiste tout simplement à acheter des packs bronze à 400 crédits et à revendre tous les éléments qui sont à l'intérieur. Enfin presque tous. Je vous ai mis d'ailleurs dans la description la liste des éléments qu'il faut revendre par ordre. Pour moi, ceux qui vendent le plus rapidement à ceux qui vendent le moins rapidement. Donc en fait c'est très simple. Je vais vous dire d'ailleurs la liste comme ça, mais bon, pour que vous la reteniez, n'hésitez pas à aller dans la description, elle y sera en tout cas. Donc je voulais vous dire, donc cette technique consiste, comme je vous l'ai dit, à acheter des packs à 400 crédits. Et en fait, ce que je fais, c'est que je garde tous les éléments dans mon club et après je revends. Donc en fait, ce qu'il faut revendre dans ces packs, les premiers trucs pour moi, c'est les cartes formes. C'est les cartes formes bronze, ils partent très très vite. N'hésitez pas, d'ailleurs, si vous pouvez vendre un peu assez cher. C'était après les cartes soins. Puis les cartes contrat rares, les cartes entraînement rares, entraîneur rare. Après, vous en vendez tous les joueurs que vous avez, joueurs rares ou pas, ça partira. Au bout d'un moment, ça partira. Les entraîneurs en 7ème position. Après, vous vendez les ballons, puis les éléments club rares. Et enfin, après, ça part très rarement. C'est tout ce qui est personnel non rare, consommable non rare et élément club non rare, ça part que très rarement. Donc tout ça, je vous conseille carrément de les vendre rapide ou les garder dans vos clubs parce que ça prend de la place sur les listes des transferts et ça ne part pas. Enfin voilà, donc cette technique elle est utile pour les petits budgets parce que voilà, ouvrir des packs à 400 crédits c'est donné. Vous pouvez, pour 4000 crédits, vous en ouvrez 10 et vous pouvez remplir une pile à 30 assez facilement. Cette technique, faut avoir un peu de chance, je l'avoue. Voilà, faut avoir un peu de chance, mais bon, à force d'ouvrir des packs et à force de mettre des crédits, vous serez toujours en bénéfice. Ça m'a toujours rapporté des crédits, toujours doublé mon nombre de crédits cette technique. C'est pour ça que d'ailleurs je m'amuse à la faire lorsque j'ai 40 000 crédits, parce que même si ça prend du temps à partir, voilà, j'aime bien ouvrir des packs et ça m'a permis de packer par exemple un joueur bronze informe cette technique. Donc c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas, si vous avez de la chance, vous pouvez toujours packer un petit bronze informe qui vaut 10 000 crédits et voilà, vous êtes largement refait avec cette technique, les gars. Donc comme vous pouvez le voir là, ce que je fais c'est je vends les joueurs rares. Voilà, je vous ai mis la liste dans la description, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à aller la voir. J'espère que cette technique va vous être utile. N'hésitez pas à mettre vos bénéfices que vous allez faire avec cette technique dans les commentaires, parce que franchement, elle marche à merveille. Si vous n'avez pas vu ma meilleure technique d'achat-revente, qui pour moi est pour les plus gros BG, n'hésitez pas à aller la voir. Le lien sera dans la description de la vidéo. En tout cas, j'espère que cette technique vous a plu, les gars. J'espère que cette petite vidéo vous a également plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Je tiens à vous dire, vu que je sais que vous serez nombreux à regarder cette vidéo, à m'ajouter sur Snapchat, car même si au moment où je vous sors cette vidéo, peut-être que le match sera déjà passé, mais non, au moment où vous verrez cette vidéo, peut-être qu'il sera passé. En tout cas, je vais aller voir Granville Marseille, donc je vais faire une vidéo spéciale pour ce match. Donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat, c'est Yaya14HD. C'était Yaya14 au sein de vous. J'ai hâte d'aller voir ce match, donc c'est pour ça, n'hésitez pas, je vais faire des bons gros snaps. C'était Yaya14 au sein de vous, les amis. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. Bye tout le monde, les gens.